Ce lundi 3 octobre, le maire rencontre la communauté. Cet important rendez-vous peut être décliné comme un des axes de la redevabilité qui lie tout maire avec ses administrés. Engagement et proximité, pour la satisfaction des attentes des populations, je serais tenté de dire. S'inscrivant dans la continuité, le maire de Sangalkam entend prendre à bras le corps les préoccupations des populations, nonobstant les obstacles se dressant sur notre chemin. Ce serait une excuse facile de vouloir convoquer les difficultés de trésorerie et autres impondérables pour se dédouaner. L'équipe municipale de Sangalkam l'a si bien compris qu'elle n'a pas chômé depuis l'installation du maire Alpha Bokar Houma. C'est donc un secret de polichinelle d'affirmer que l'administration, c'est la continuité. Sous ce registre, la commune de Sangalkam a épinglé beaucoup de réalisations à son tableau de chasse en si peu de temps. La commune s'est particulièrement distinguée par sa diligence et sa réactivité pour assister les sinistrés des inondations. Plus de 40 millions ont été mobilisés en attendant la solution structurelle et définitive de l'État. L'assainissement est une compétence de l'État, mais la proximité avec les populations en est une autre. À ce jour, des postes de santé sont en train de sortir de terre. En témoigne le poste de santé en construction de Noflay. La réflexion de celui de Kourou. Des villages comme Yehirat et Kravessar disposeront dans un proche avenir de leur poste de santé. En termes de voirie, par le pavage des ruelles de Noflay, à Noflay, Sidadabakh, Kerndiaïlo, sans oublier le petit marche de la route menant à Medina Tchoub. Le foyer de Kerndiaïlo a subi un coup de lifting. Il en sera de même avec le foyer de Kadawdessar. Le plan d'action prioritaire PAP est déjà échafaudé et est la preuve que nous avançons lentement mais sûrement dans l'atteinte de l'objectif. L'État, c'est la continuité, mais la continuité est aussi une innovation. En témoigne la stratégie développée pour diversifier les ressources de. C'est ainsi qu'une brigade des recettes fut aussitôt mise en place pour lutter contre l'évasion fiscale. Les agents sont déjà opérationnels sur le terrain. La brigade verte, pour répondre à la vision déclinée par le programme Sangalkam Vert, est aujourd'hui portée sur les fonds baptismaux. Nous ne passerons pas sans citer les différentes conventions de partenariat en passe d'être nouées avec l'ISRA, le village des tortues, la mission chinoise, les eaux et forêts, la Croix-Rouge et autres. La gestion concertée et inclusive est aussi un indicateur de rupture et d'innovation. Beaucoup d'intellectuels et de sages apolitiques ont été cooptés dans l'équipe du cadre local de concertation créé par arrêté municipal. Un cadre qui donne ses avis et fait des propositions dans la feuille de route de l'équipe municipale. En définitive, nous savons que nous sommes attendus sur les résultats. C'est fort de ce constat que le maire et son équipe ont mis les bouchées doubles pour satisfaire les doléances des populations de l'espace communal de Sangalkam. Ce rendez-vous d'aujourd'hui sur la place Malik Ba n'est pas le résultat d'un triomphe modeste, mais plutôt une exigence du calendrier communal à honorer par force, car nous sommes conscients que les populations qui ont placé leur confiance en notre programme 44-9-24 nous exigeront des comptes au nom de la redevabilité. Ceci est donc une amorce de certification citoyenne. Mesdames et messieurs, chers invités, nous vous remercions d'avoir rehaussé cette cérémonie par votre présence. Merci à tous. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Chers invités, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue ici à Sangalkam. Auguste Assemblée, permettez-moi tout d'abord, en ma qualité de présidente de la commission éducation et formation professionnelle de la commune de Sangalkam, de féliciter l'ensemble de la communauté éducative de la commune de Sangalkam
pour les brillants résultats obtenus lors des différents examens au CFE, au BFM, au BAC et à l'entrée en sixième. Félicitations pour les brillants résultats obtenus. Je tiens aussi à remercier solennellement le maire de la commune de Sangalkam, Alpha Bokor Khouma, ici présent, pour tous les efforts consentis à l'endroit des établissements scolaires, de l'élémentaire jusqu'au moyen secondaire, depuis son installation à la tête de la commune de Sangalkam. Merci, monsieur le maire. En effet, le conseil municipal, à travers le maire, a accompagné les écoles dès sa mise en place en posant des actes forts qui s'inscrivent dans la dynamique de faire de l'éducation le socle d'un développement durable de la commune de Sangalkam. Et parmi ces actes, on peut citer la distribution de tables bancs à toutes les écoles élémentaires publiques de la circonscription, l'appui substantiel aux différents centres d'examen, la prise en charge ou le soutien aux étudiants ressortissants de la commune de Sangalkam, la participation à toutes les activités à caractère éducatif sur le territoire communal, la distribution aujourd'hui de matériel scolaire à hauteur de 18 millions. Et la liste est loin d'être exhaustive. Nous sommes aujourd'hui heureux d'appartenir à cette commune où la culture de l'excellence est une réalité et non une simple vision politique. Une priorité et non une simple idée de projet. Dans ce sillage, il faudrait noter que le maire attache une attention particulière aux différentes sollicitations des acteurs éducatifs en honorant, par exemple, les engagements pris lors du dernier CLD tenu avec le sous-préfet pour la disponibilité et la distribution très tôt des fournitures scolaires afin que le Ubitaï Djangataï soit une réalité. Chose faite, car le matériel est là disponible avant l'ouverture des classes. Donc, c'est l'ouverture pour le personnel aujourd'hui. Avant que les élèves ne rejoignent les classes, les fournitures seront disponibles au niveau de toutes les écoles. Et c'est une première dans la commune de Sangalkam. Donc, merci, monsieur le maire, pour votre pragmatisme. Et cela, c'est pour confirmer que l'éducation n'est pas une priorité pour le maire, mais c'est une surpriorité. Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les invités, en perspective, le maire compte apporter des innovations de taille dans le système éducatif avec le concours de tous les acteurs de l'éducation, tout en restant à l'écoute de l'autorité administrative et scolaire pour toute suggestion tendant à faire de l'éducation un secteur performant axé sur les résultats. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les membres de la commission éducation, mais mention spéciale au directeur d'école, au président de CODEC, je vais nommer Alassane Seck et M. Cissé, et tout le personnel éducatif pour leur engagement et leur disponibilité. Parce qu'il faut dire que durant la journée du samedi, ils étaient là du matin jusqu'au soir. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui aussi, ils ont été là pour transporter le matériel jusqu'ici. Donc merci beaucoup, directeur, merci personnel enseignant. Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les élèves et acteurs de l'éducation. Vive la communauté éducative de Sangalkam, vive la commune de Sangalkam. Je vous remercie de votre aimable attention. Damay tambalé rek di féliciter d'abord
monsieur le maire si bis bi nga xamantene mom lañu organiser fi muy cérémonie de remise de subvention aux ASC li nga xamantene mom la def vraiment reyna parce que ñun biñu ñëwé proposer ko parce que amna lo xamantene mo fi amone il y avait une seule zone au niveau de la commune de Sangalkam ren ñu défat découpage on est passé d'une zone à deux zones. On est passé de 5 ASC dans la commune de Sangalkam à 21 ASC, dont 20 sont en compétition. Si nous avons fait une proposition, nous avons fait 19, mais nous avons fait ça. Malgré ça, nous avons proposition une proposition de changer. Tous les ASC ils sont en compétition de nous subventionner. Nous avons fait mu subventionné len dina ñaar coupe ay coupe yo xamantene vraiment ay coupe yo xamantene zone bi musul am yu toll ni donc lolu bu ko défé sagal na toute la jeunesse de la commune de Sangalkam lolu aussi bu amé c'est parce que bureau municipal bi mu xamantene mom la andal dañ ko sey jappalé mu non def une proposition gaay na ko defa deugar jeune yi mérito wuñu li je me dis que jeune yi mérito lañ ko parce que bo xolé inondation yi nga xamantene mo am ci commune de Sangalkam fo dem ding fa fek les ASC ñi mobiliser fo dem ding fa fek les jeunes de la Croix Rouge fo dem ding fa fek les jeunes les foyers des jeunes ñu taxaw sen population donc jeune yoy tay ñu mérito ñu jappalé len ci activité de loisirs yi nga xamantene mom lañuy def di len wax rek di len gëna ñaax ci ouverture école yi nga xamantene mom lañu jëm na jeune yi dem ci école yi ñu xol naka lañuy dindé salté yi fa nek naka lañuy dindé ndox yi naka lañuy défé désherbage pour que élèves ñu mëna jàng ci conditions yu baax. Donc, belle affaire aussi, du coup, remercier mon acte, nous, André Deligué, si l'Inga Hamantene, projet l'Inga Hamantene, mon l'Indien. Parce que aussi, nous avons déjà eu les subventions, mais nous avons accompagné les jeunes. Nous avons un projet pour Hamantene, nous avons en cours, nous avons un projet de formation d'entraîneurs de foot. Nous avons un WACAF, nous avons un diplôme via le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, si nous proposons, nous avons l'idée de l'Ubarla. Parce que la formation, si vous allez, va permettre à ceux qui ont obtenu ces diplômes-là, nous avons des gens qui ont encadré des jeunes, nous avons des profs de PS dans les écoles privées. Donc, nous avons contribué à la lutte contre le chômage, manque d'emploi, nous avons fait ce qui est le cas. Donc, nous avons fait tous les présidents d'ASA. Nous gëna gor gorlu tambali nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim amaguñ ci ben jafa jafa ñu continuer nonu ñu mëna jouer final yi et que l'année prochaine ñu mëna amaat lu melni ma ngi gëreum di leen sante jërëngëñ.